Salut à tous, c'est Tranquil, on se retrouve à nouveau dans Vampire. On joue avec François Terrel. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué du coup parce que bah voilà, je fais des pauses parce que j'étais fatigué et malade. Mais tout va bien. Du coup, je sais plus comment on joue. Voilà, ça c'est la vision de mon cul. Barrette du Sud. C'est voilà, c'est rond pour accélérer. Ça rame un peu, mais ça va. Some trickery. Ouh, ça rame bien. Ça rame vraiment pas mal. Un scal. Je sais plus jouer. Hein. Ah, c'était un traquenard en fait. Compliqué. Remettre en jambe, c'est vrai qu'on a une barre d'endurance. Putain, mais je croyais qu'il était tout seul, en fait ils étaient trois quoi. Tout ça parce que je cherche une boîte aux lettres. Je tiens à le préciser. Donc, est-ce qu'on peut ouais, faire comme dans Batman Arkham et rester tout le jeu en vision débile? Enfin, je dis débile parce que c'est, ça rend les jeux trop faciles, quoi. Je reste comme ça, on s'en fout, on fait le jeu en game de grille et c'est très bien. Ça, il a pas un petit que non. J'allais dire, il a un côté Cumberbatch, mais pas du tout. Mais il ressemble à... Ça, en fait, c'est entre David Boreanaz et Benedict Cumberbatch. Ce qui fait très bizarre. Enfin, sur la photo, après. Bonjour. Good evening, sir. En fait, il ressemble plus à Willem Dafoe. I'd like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet. Oh, un poète. Richard Nithercott, at your service. C'est donc toi. En direct, on va commencer à le faire chier. Tell me, Mr. Nithercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Très bien. Un exemple? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Mm-hmm. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Uh-huh. Pour ça, elle parle pas. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Certes. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But ah, will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Uh-huh.
What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. Sans blague. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And certes. Now, listen to this oddly peaceful silence. Ah, c'est sûr, c'est plus calme hein, quand les gens y meurent. Hein. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Vous êtes un psychopathe. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Et du coup, ça te dérange pas parce que de rester en chemise sous la pluie, genre? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Super. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Ok. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beast. J'aime le danger, je me ris du danger. See it for myself, alone. Eh, qui va venir t'aider, Batman? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Ah. Petit rhume. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concerns. Mais de rien. Sinon. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Alors, c'est un peu bizarre comme traduction parce que The Crane, c'est la grue, c'est le comme le flamant rose, quoi. C'est l'animal qui ressemble à la grue, c'est comme le héron ou le flamand. Du coup, le crâne de Whitechapel, ça n'a rien à voir. Un crâne, je crois que c'est skull en anglais. Mais enfin. Darius Petrescu. What can you tell me? Qu'on cherche à la base. Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ah, les communistes. Évidemment. Eh bien, très bien. J'ai rien d'autre à... Non. Non. I'll leave you alone, sir. Salut. Hein. Très bien. Il faut encore trouver la boîte aux lettres. Parce que oui, on a appris que Petrescu, justement, il avait plus ou moins un courrier à... Le journaliste le qui est devant devant la mairie, n'importe quoi. Devant la chapelle, l'église. Il l'a suivi et il l'a vu genre... Il l'a vu genre aller à la boîte aux lettres, mais jeter la lettre avant de la poster. Petit bouquet de fleurs dans lequel est caché un bon pour un examen médical gratuit. Trop bien.
va aller retourner les voir. Eh, on a encore un... Bonjour. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. C'est vous qui mettez les bons gratos? Ah, c'est Camélia. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm. Je vous promets que je ne suis pas un vampire. Bon, je sais que vous me comprendez. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Je sais que vous travaillez pour Nurse Crane. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Allez, parle. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Tell me about Richard Nivicott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Bon. Bilan de santé. Ah, alors, elle est en bonne santé. You don't seem to need my medical attention for now. Mais on pourrait te manger. Very well. Goodbye then. Ravi d'avoir discuté avec toi, Camélia. Mais apparemment, c'est toi qui mets les bons. J'en suis sûr maintenant. Je pourrais te manger. Ouais, donc c'est. Ça a rapport avec les fleurs violettes. La boîte aux lettres est ici. Lettre de Darius Petrescu. Mes chers enfants bien-aimés, je m'en veux tellement de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles durant ces derniers mois. La situation ici à Londres a été des plus difficiles. J'avoue, la grippe espagnole, c'est pas ouf. Je sais que cela peut paraître égoïste de ma part, et même absurde à l'heure où vous, mes enfants, vivez toujours dans un pays consumé par la guerre. Mais une guerre fait aussi rage ici même, en Angleterre. Une guerre contre la pauvreté et contre l'injustice. C'est une guerre que je compte mener malgré mon âge avancé. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en Roumanie. Cela veut sans doute dire que je ne vous reverrai pas avant de mourir. C'est ballot. Ne soyez pas tristes, mes chéris. Vous êtes des adultes maintenant et vous avez vos propres enfants sur qui veiller. Oui. Vous savez à quel sacrifice nous devons parfois consentir pour rendre le monde meilleur. Je dois me résoudre à celui-ci pour pouvoir me sentir utile une dernière fois. Je vous souhaite une longue et heureuse vie. Embrassez mes petits-enfants de ma part et souvenez-vous que votre père vous aime, même depuis ce lointain et froid pays. Enfin, en même temps, la Roumanie, c'est pas non plus le Portugal, quoi. Votre père toujours aimant, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Allez, go. Par contre, y a pas de façon de se téléporter dans le jeu, et c'est un peu dommage. Parce que j'aurais voulu retourner à l'hôpital, en fait. Terminer l'enquête, enfin terminer le... Parce que j'ai demandé aux gens dans les commentaires qu'est-ce qu'on faisait avec le docteur Tepetz. Je crois. Le docteur Tepetz. Et on m'a dit... on m'a dit quoi? Alors on m'a dit ouais j'ai eu mange-le ou le mange pas, sauf que la question c'était pas ça, la question c'était est-ce qu'on le dénonce ou pas. Du coup je vais pas le dénoncer. Mais je vais lui demander de partir. Enfin, voilà. Je vais pas l'exposer volontairement. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again. Oui, c'est go moi. Away. Parlons d'homme à homme. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Je vais la manger.
Ce serait tellement drôle, t'arrives et tu la bouffes. Alors, c'est marrant dans un jeu vidéo actuel en 2018 de voir qu'on parle de soins médicaux gratuits quand on voit Trump ce qu'il fait et quand on voit ce que notre cher président Emmanuel Macron est en train de faire avec la sécurité sociale. LOL! C'est une bronchite. Désolé. Est-ce qu'on a de quoi soigner la bronchite? 40% de qualité de sang perdu, c'est pas cool. D'accord. Ah, on sait tout sur lui, quoi. Par contre, c'est marrant, c'est qu'il a pas l'air si vieux que ça, en fait. Ils ont l'air jeunes avec... Et il a l'air... Là, sur les photos, enfin, sur le truc, il a l'air jeune. Mais... Il a l'air jeune, mais vieux. C'est trop bizarre. Est-ce que j'ai... Anémie... Ah, dommage. Vous avez pas un... Comment dire... Un petit, comment dire... un truc où je pourrais confectionner des médocs. Moi, j'aime bien confectionner des médocs. Bah, je vous prends votre alcool aussi, hein. Et votre solution d'hypochlorite de sodium. It's locked. Ah, zut. Seulement, je pouvais lui... La figure antique du Vricola Caras. Très bien. Je croyais que si je le tue... De toute façon, il est vieux, il va mourir. Si je le mange... Est-ce que je vais avoir la clé sur son cadavre? C'est possible. Hein. Les morts en sursis. Hein. La quinine. Ici, il y a bien un petit truc pour... Alors, il y a marqué quoi ici? Ma chère Dorothea, lorsque tu liras cette lettre, je serai déjà sur le bateau qui va nous ramener, Anton et moi, à Brasov. L'Angleterre n'était pas faite pour nous. Et je dois avouer que j'ai hâte de revoir nos fières collines de Transylvanie. Je promets que dès que nous arriverons, j'irai allumer un cierge dans l'église noire. L'église noire? Je prierai pour que tu survives à cette terrible épidémie. Comment ça, Dorothea, c'est un vampire? Je sais que tu n'es pas d'accord avec cette décision et que tu penses... Enfin, après, c'est la Transylvanie, ça veut rien dire, mais l'église noire, je ne connaissais pas. C'est peut-être un vrai... c'est sûrement un vrai truc... utile en aidant et donc camarade exilé dans l'East End, mais Anton a tellement hâte de retourner dans notre cher pays et de voir notre révolution tant attendue prendre son envol. C'est mon mari et je dois rester à ses côtés. Je sais qu'il nous arrive de le disputer, je sais que tu auras voulu que je reste à tes côtés et que je t'aide à t'occuper de ta clinique, mais maintenant que je quitte l'Angleterre, je veux que tu saches une chose. Si t'arrive quoi que ce soit, que tu as des problèmes ou bien que tu es en danger, je reviendrai immédiatement à Londres avec ou sans Anton. Pense à moi autant que je pense à toi, ta sœur aimante, Théodora. Donc, Dorothea, elle viendrait de Transylvanie. Fiel de verre, tartrate ferreux, pardon. Oui, parce que, alors, l'affichage que vous avez, vous, sur le player, il est plus grand que ce que j'ai sur ma télé, en fait. Du coup, moi, le jeu est un peu mangé. Pardon, Dorothy, hein, je fouille. Ah bah justement. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Où sont les selles de quinine?
Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Ouvre-lui la gorge! Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. Bon. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. On s'en bat les couilles s'il est pas... Yes, Doctor. On s'en fout s'il est pas stérile. He's breathing again, but he's coughing up blood. Pas le temps. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Ah, on essaie d'être prudent quand même. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Ah bah oui, trop de sang. I can't see. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. C'est les procédures les plus rapides du monde. We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Massage cardiaque. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Alors... Le truc, c'est que vu à chaque fois que je lui demandais un truc, elle avait rien. Je me suis dit, bon, si je lui demande de l'adrénaline, elle va me dire lol, y en a pas. De toute façon. C'est pour ça que j'ai demandé j'ai dit massage cardiaque. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. You're a butcher, sir. Mais nique ta race. A sick and heartless butcher. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I, but the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No, there was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Alors, elle nous dit quand même, je suis un boucher, alors que je lui ai demandé s'il y avait des médocs. Je suis pas allé comme un bourrin, quoi. J'ai essayé de chaque fois, j'ai trouvé la solution la plus douce, on va dire, dans les deux choix à chaque fois. C'était au lieu d'aller comme un bourrin, j'essaie de trouver un truc. Et c'est juste le dernier choix qui m'a niqué. I doubt you're here to test my bedside manner. Attends, d'abord je te prends ton argent. Do I owe this courtesy? It's locked, all right.
J'ai tellement trop de trucs. Ça tombe, il y a de la merde dans les coffres. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Alors. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Elle a pas tort, hein. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Mm-hmm. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Vous êtes le Jon Snow de la médecine. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Ah! Il nous manque un indice. Oh putain, merde. Ah, on pourrait la bouffer. On n'est pas assez l'indice. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! Putain, la scène y a blanc, quoi. Business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. J'ai quand même envie de bouffer ton collègue. De nouveaux citoyens peuvent être tués. Ah, super! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. J'espère qu'ils ont pas tué Jean-Michel.
vais quand même bouffer Darius. Y'a pas de raison. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Ah, Camilla. Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. Ah, c'est une fleuriste, c'est Iris. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. Ah. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Très bien. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Très bien. Bon, ça c'est fait. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this. Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Du coup, j'ai pas du tout envie de le tuer, en fait. Goodbye, Mr. Petrescu. C'est un mec bien. Je vais finir par tuer personne, en fait, dans le jeu, parce que les gens seront trop gentils. Ah si, je vais tuer les connards, mais... L'état du quartier est grave.
Ah. Comment ça? Ah, donc le pilier c'est Dorothy Crane, donc on a bien fait de pas la buter, sinon le quartier serait devenu encore plus de la merde. La bronchite, j'ai pas ça. Donc lui c'est bon. La fatigue. Christina Poppa. Ah oui, c'est la prostituée. Alors, ça va paraître un peu raciste, ce que je vais dire, mais est-ce que, du coup, Whitechapel, c'était... Il y avait une forte concentration de Roumains, à l'époque? Peut-être, enfin, je pense, enfin, ça tombe, c'est pas du tout ça, mais... ceux-là, ils ont pas de nom... particulier. Il y a vraiment que là, ou alors ça n'a rien à voir, hein, mais... Ou alors c'est coup de bol. Je connais mal l'histoire anglaise, je vous avoue. Il y a pas mal de persos qu'on n'a pas encore vus. Ok, donc de toute façon, il va falloir qu'on... Il va falloir... qu'on trouve, comment dire... Good evening, Harry. Ah oui, bon, c'est vrai, lui était dépressif, je sais pas quoi. La maison des Peterson, on pourrait le bouffer, hein, mais... Et donc il y a un... comment dire... C'est ici, non? Il est mort à l'intérieur. Et ça a l'air d'être un... comment dire... un refuge. Où il a l'air habité. Certes. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des morts à l'intérieur. Littéralement. Je vois quelqu'un qui respire là-bas, j'ai l'impression. Il y a un pouls. Non, c'est juste du sang en fait. Ah, un petit coffre-fort. Si elle est scale niveau 14, on va pas y aller. Y a un laboratoire, oui. Un ennemi, on s'en fout. Bronchite, ouais. Pneumonie, on n'a pas, mais ça peut servir. Sepsis.
Voilà. L'opium. On va se reposer. Mais il y a combien de... Alors, ah on peut, ça y est, on peut avoir un ultime. Il faut 600 de ténèbres. Abyss. C'est puissant que même les vampires les craignent. Abyss fera partie de ses compétences. Le vampire se concentre et invoque des ombres formées de l'obscurité de la plus pure. Ces ombres attrapent la cible du vampire et jouent avec comme si c'était une poupée. Et quelques instants, la proie est empalée. Trop bien. Par contre, il y a un gros temps de chargement, évidemment. C'est un gros temps de recharge. Bam, ça coûte 1000, mais ça fait bien plaisir. Bouclier de sang, on l'avait pas pris. Et bon, on va prendre bouclier de sang. Paf. Alors, donc toi t'es fatigué. Toi t'as de bronchite. Ok. Bah, je vais aller juste soigner les connards là. Ah, bah, y'a toi aussi, c'est vrai. Je t'avais pas vu encore, toi. Salut. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Question personnelle. Ah. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Sympa. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ah, le Codeine Express. Ah, ça coûte super cher. Ergotamine. Une vasoconstricteur. Ah. Prenez les migraines. Oui, moi je voulais aller voir. Attendez. Voilà, je voulais aller là.
Parce que le vieux, faut lui... Voilà, la migraine. Merde, c'est de l'autre côté. I cannot enter. Michelin. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Petrescu. Yes? Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Tiens. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Et voilà. Salut. Goodbye, Mr. Petrescu. Ça devrait, en principe, augmenter un peu le niveau de vie du coin. Oui, c'est par là. Je pense. Sinon, il y a qui est pas très bien aussi. Toi, ça va. Christina Poppa, Clayton Darby. Il était du côté de l'église, lui. Hein. Donc plutôt de ce côté-là. Non, j'ai envie d'aider les gens aujourd'hui. Bonne santé. Tobias. Il est où, Jean-Michel? Christina! Tu dois te reposer. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Non, toujours pas, mais... Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Tiens, c'est bon. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Du coup, est-ce qu'on a des nouvelles... Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. C'est vrai que... Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Très bien. C'était pour voir si où est-ce que ça allait m'amener. Hein. Take care of yourself as best you can. Ah bah justement, Clayton. Good evening, Doctor. Can I help you? Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation? Syphilis. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Allez, salut. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Bon. Would you like... voilà, bah là c'est bon, là on est bien. Là. Du coup, faudrait que je retourne là parce que lui il est fatigué. Il a mal à la tête. Oswald Thatcher. Lui il était fatigué, mais lui on s'en fout un peu, c'est le tenancier du bar, je crois. Enfin, on s'en fout, voilà, mais. Ok, donc ça j'enlève. Et du coup, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, comment dire, de fast travel, c'est un peu dommage ça. Après la map a pas l'air ultra grande non plus, mais on est à 200 mètres, hein, ça va. Mais comme c'est pas mal tortueux, c'est vrai que c'est dommage. C'est pas plus simple. Ah oui, c'est vrai qu'on... Le sprint est pas infini. Ah oui, ça me dit quelque chose.
On s'était fait attaquer par 800 000 gardes. Eh, ça charge bien la barre, hein, les rats. This is despicable. Mais non, c'est juste des rats. C'est mignon, les rats. I can't believe I'm doing this. Ça va, c'est juste un rat. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Ah. Burn it, boy! Ça rame, hein. Merde, je me suis trompé de bouton. J'ai fait bas. Alors... En fait, il y avait vert et rouge, et j'ai fait bas pour rouge parce que la santé, mais non, rouge c'est la barre de sang. Est-ce que je peux changer de flingue ? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est là. C'était compliqué. Tu vois, j'ai rien gagné en plus. Ouais, ils sont attaqués par un truc vénère.
Du coup, j'ai vraiment rien looté, quoi. Je suis un peu deg.